Harris par un bon match contre ce qu'ils équipent. Détenu à bout de 17 points du gol, sans rebut de confrontation, vraiment très très sérieux. C'est parti. Contre Toulon 2017 et Europe 2. Parce que je pense que j'ai pas réussi à se qualifier malgré la victoire pour le parcours. On va voir si l'agence va être en couleur. Deux en appel, et devant Bertrand Traoré. Ce sera intéressant de voir si l'année prochaine, l'Ajax va grandir son équipe pour faire certains joueurs pour peut-être jouer la Champions League. Quant à Manchester, c'est les prochains joueurs pour prendre cette équipe l'année prochaine avec le départ du Bra ou une attention du Bob Live. Pour le but, je vous avais vu, j'ai pas aimé Renoir sur le même touche. Le mieux permis, bien capté par Paul, gardien de Pays-Bas. C'était à la Coupe du Monde 2014. Ouais, c'est le fameux gardien qui avait arrêté les tirs au but. En faisant des gifs avec le sens, ça va être un peu plus parce qu'il va être un peu plus pour le sens que tu vas vite. On va venir. On va venir que pas très publicité cette saison. Par une autre, il a souvent été de sa sorte de la couche. Il a réussi à chaque fois à jouer intelligemment les espaces laissés par la défense lyonnaise. C'est ce qui a fait les 4-1 leur match aller. Seulement un excès de confiance de Lyon. Le gars aussi qui a besoin de confirmer lors de cette finale. Tout comme tout pour transfert. Une saison vraiment très très moyenne. Alors c'est un coup de corner pour Ajax. Pour PSM. Entre la tête qui a du Traoré, face à côté. C'est bien là, il va pouvoir dégager. Je pense que le match là, on n'a pas beaucoup de risques en tout cas pour ce match. J'ai récemment vu sur YouTube pas mal d'étrangers qui se remettent à jouer à PES6 et commander totalement en vidéo. C'est intéressant de voir qu'il y a quelques trucs. Après, on va avoir cette pression sur les trois, les stagiaires, les PES. Encore une fois, le premier coach est prêt pour tout. Thank you.
Ah, il est passé. Ah, il a failli. Bien joué de sa part. Une bonne sortie, c'est le défenseur pour le moment là qui met le ballon en corner. Centre au milieu du corner. Ancien de l'Ajax également. L'ancien de la grande équipe d'Amsterdam avec l'entreprise de Toyota. Et c'est la mi-temps sur ce long manqué. 0-0 pour le moment. Une demi-finale qui commence légèrement avec très peu d'intensité. Parti pour la deuxième partie. Avec Gabriel Pachalini qui va faire une battement. Attention, il va piquer. Déjà, ça va pas bien sortir. Chelou qui en a un peu pas loin. On va retrouver. Ça peut être une touche pour l'Ajax. C'est bien joué. On croit qu'il peut chercher le ballon. Un match pas facile à négocier, un Manchester qui se livre pas trop. Le coach va reprendre. Il passe au-dessus. On va tenter de monter en haut avec qui va passer le ballon avec Axial en tout cas du côté de Manchester. Il pourrait dépasser le centre des deuxième côté en plein air. Ça va être un peu. Oh là là. Avec le pas d'artiste, la frappe bien captée par le gardien, sur sa ligne. Pour l'instant, l'Ajax a des occasions un peu plus franches que celle de Manchester. Passer le chemin, le centre et tout ça, et voilà. Un but à zéro pour l'Ajax d'Amsterdam, Nordberg, l'homme de cette compétition pour le moment, d'après
Vraiment, je suis bien dans le match à chaque fois. On voit la bonne perception. Par contre, c'est Amsterdam qui remportera la coupe si le score reste là. On fait une mise en côté Amsterdam avec Tété et Kluivert, le fils de Patrick. Un joueur très prometteur à seulement 17 ans. Attention au contre, ah, c'est bien joué. Donc un long ballon pour changer de côté. Un rebond. Un rejet du rebond qui est très offensif. Voilà le deuxième but. Le gardien ne peut pas se permettre du ballon. On sait que maintenant. Double à 0 pour Amsterdam. Les joueurs de Manchester impuissants sur ce qu'ils ont fait comme côté. Je passe à Derrière. Nous attendons. Les deux trois attaques du gouvernement de Chancellor en première période. On n'a pas vu grand chose de la part de Mourinho et de ses joueurs. Maximilien par contre, attention, pas trop d'agacer pour le coup. C'est Marcus Rashford qui passe en équipe. Côté de peut-être un peu tard. Pas le deuxième but d'Amsterdam. Pas forcément entendu. Attention, on va ce côté du gauche. On peut peut-être un centre, ça va. On lève la récupération. Et puis, la ligne qui passe pas. Attention, c'est une faute de chemin. Batman, pardon. Par Manchester avec premier coup franc, hop, qui met sur la barre. Dommage pour Manchester qui aurait pu réduire le score. Ça va sûrement être Amsterdam qui va remporter cette coupe. Attention à Schöne qui lance le coup de gauche sur Kluivert. C'est bien joué, oh là là, c'est magnifique! Superbe action, démonstration d'Amsterdam, 3 buts à 0. Avec Goldberg qui conclut cette action. Un contre Romelu. Il n'est pas ce troisième but. Vraiment sans froid de ces jeunes, de jouer de la jeune, c'est trop plaisir. L'intelligence de jeu à chaque fois sur les positions de tir. Une belle leçon, une belle démonstration de la part de Amsterdam ce soir. On va repousser pour la fin du match, voilà, victoire 38 à 0 d'Amsterdam lors de cette finale. Avec une finale historique et le dernier match de Manchester à Dortmund.